quatre femmes et trois hommes en grève de la faim depuis 3 jours maintenant, en solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens, qui eux sont en grève de la faim depuis le 17 avril, c'est-à-dire depuis plus de 3 semaines, pour alerter la population sur cette grève héroïque, puisqu'ils mettent leur santé, leur vie même en danger. Ils réclament la fin de la torture, la fin de la détention des enfants, la fin de la détention administrative, c'est-à-dire ce qu'Israël se permet de faire, c'est-à-dire d'arrêter des gens sans inculpation, sans procès, sans jugement et pour des durées illimitées. Israël, au lieu de se conformer au droit international, depuis le début, répond par des châtiments, par des mesures punitives, collectives. Après cette croquée des prisonniers palestiniens en grève de la faim. Alors, boycott Israël, boycott Israël.